moi, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est l'aptitude de ces jeunes, non seulement à se poser ces questions, mais aussi à entrer dans ce mystère de Jésus, Fils de Dieu, mort et ressuscité, et à en vivre. De différents ateliers, on prépare des animations originales et les jeunes, lors des célébrations, sont toujours impressionnants dans leur attitude posée, sérieuse. Ils vont jusqu'au bout de ce qu'on leur propose de vivre et je trouve que c'est une cure de jouvence pour la foi aujourd'hui. Donc on a essayé de dire mais quels sont nos boulets dans nos vies? Et voilà, ces jeunes ont fabriqué ces boulets. Corentin, je te baptise au nom du Père. Alors, on a une équipe très complémentaire de bénévoles et de professionnels. On est 5 professionnels à être là, des agents pastoraux aux différents ministères. Et puis, il y a une petite quinzaine de bénévoles qui sont actifs, qui ont déjà beaucoup d'expérience.